La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, a appelé aujourd'hui les personnes qui visaient son parti de sortir de l'anonymat. Des pratiques mafieuses abjectes. Bima fiha la akhlaqiya, y compris immorale. Ça veut dire tahdid bil a'ilat, tahdid bil sharaf, tahdid bil kulshi. Louisa Hanoun a souligné que les personnes qui se sont attaquées à son parti disent recevoir un soutien du président Abdelaziz Bouteflika et des services de sécurité et un certain nombre de ministres tels que Abdeslam Bouchouareb ou encore Abdelmalek Boudiaf et aussi Ali Haddad et le secrétaire général du FLN Ammar Saïdani. La Batcha pense faire peur et impressionner les cadres et les militants en leur disant qu'il s'est réuni avec le ministre de l'Industrie. Ils sont en train de pratiquer des pressions. Ils leur disent qu'ils ont reçu des ordres d'en haut. Nous sommes un parti qui ne crée pas des problèmes. Jusqu'à maintenant, nous avons fait preuve de réserve, mais la goutte a dépassé le vase. Louisa Hanoun a souligné que cette campagne a débuté au lendemain de l'initiative des 19 et sa prise de position contre la loi de finances.